Good morgen, allez, Iden, les tu seras aujourd'hui le Nishmat, mon verbe Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Nahouda, Sarah Batra, Rachel Shlomo ben Esther, Richard Batra, Nechemia, Yaakov ben Aisha, ainsi que l'Irfouat, Avraham, Ori ben Roud, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Masechet Zvachim, Perikhe, Mishnah Zain, Shalamim, Kadashim Kalim, Shretatan Bechol Makom Baazara, Vedaman Taoun Shte Matanot Shayan Arba, ונאכלין בכל העיר לכל אדם, בכל מאכל, לשני ימים ולילה אחד. המורם מהם כיוצא בהם, אלא שהמורם נאכל לכהנים, לנשיהם, לבניהם ולעבדיהם. קורבן שלמים, même principe que le קורבן תודה, vous pouvez reprendre la même משנה d'hier, la répéter avec une petite différence, c'est le temps de consommation. D'accord? On le fait quand même ensemble, enfin hier, vendredi, je ne sais plus. Et concrètement, la Mishnah nous dit comme ça, Shlamim, maintenant. On continue avec les Kodashim Kalim. Après avoir appris pendant les 5 premières Mishnah avec les Kodashim Kadashim, ceux qui étaient ultra Kadosh, ultra saints, les Korbanot, avec limitation ou égorgé, et ne pas le faire sortir en dehors de la Hazara, de la cour du Beth Amikdash, les Kodashim Kalim peuvent être sortis dans toute la ville, peuvent être consommés dans tout Yerushalayim, à l'intérieur des parois, bien sûr. Et aussi, on n'était plus obligé de les égorger au nord, on pouvait les faire dans toute la Hazara, dans toute le... D'accord ? Toute la Hazara, c'était cachère. Donc, Shelamim, les Korbanot Shelamim. On a dit qu'ils s'appellent Shelamim parce qu'ils font le shalom entre tout le monde. Ils font la paix entre tous, c'est-à-dire une part pour le Misbeach, une part pour la consommation des Kohanim, c'est ce qu'on appelle le Chazé Vachok, et le reste de la chair à consommer pour celui qui la porte, il pourra inviter tout le monde et manger tous ensemble. La Mishnah nous enseigne Shlamim, les Korbanot Shlamim. Ce sont des Kodashim Kalim. Ils ont un niveau de sainteté allégé. D'où, il n'y a pas de Meila, j'ai dit que je ne parle pas de ce sujet, mais en fait, pour ce perek. Shritatan Bechol Makom Ba'azara. Ils peuvent être égorgés, Shrutim, Lishrot, Shrita. Ils peuvent être égorgés Bechol Makom Ba'azara. Dans tout l'espace de la Hazara. Dans toute la cour où se trouvait le Misbéach, alors ils peuvent être, on peut les égorger là-bas où on veut. Vedaman taun shete matanot shehen arba. Et le sang, une fois qu'on l'a réceptionné, qu'on l'apporte sur le Misbéach pour l'asperger, taun nécessite shete matanot shehen arba. Deux dons, deux aspersions qui forment quatre. Il se met au coin Mats Med. Mizrachit, Tzfonit, Maharavit, Romit. Une première fois ici, il envoie ça sur l'angle et il touche comme ça les deux parois, l'est et la paroi ici, de l'autre côté, nord. Et puis ensuite, il va de l'autre côté, ici donc, et il va se mettre à de nouveau asperger comme ça au coin et toucher la face ouest, Maharav et Darom en même temps. D'accord? Ça, c'est Shtaim, Shenarba. Venechalin, Bechol, Ahir. Et ensuite, ils pourront être consommés dans. Toute la ville, tout Yerushalayim, les Chol Adam, par tous les hommes, aucune limitation, ni ta famille, ni rien, tant que c'est un juif, Tahor, il invite et il mange avec lui. Hommes, femmes, enfants. Bechol Ma'achal, de toutes les manières qu'il veut, il peut le faire frire, griller, et bouillir. Lishnei Yamim Velayla Echad, attention, les limitations du temps, il a plus de temps pour le Shlamim. Il a deux jours et une nuit. Le pasouk nous dit va notar mi besar azevach bayom ashlishi beesh yisaref. Ce qui restera de la chair au troisième jour, tu le feras brûler. Donc je déduis que j'ai deux jours et la nuit du milieu pour les consommer. Ça, c'est ce qu'on a dit. Donc les shnei yamim velaila echad. Deux jours et une nuit. Hamuram mehem kayotze baem. Les parts que l'on prélève d'eux pour l'en faire cadeau au Kohen, donc, qui sont le chazé vachok, le torse. Et la cuisse, le flanc, Kayot Sebahem, ils ont le même statut d'être consommés dans tout Yerushalayim et durant deux jours et une nuit, avec juste une différence que entre, c'est-à-dire entre ce qu'on a donné au Kohen et ce qu'on a gardé pour soi, et la Shamuram Nechal la Kohanim, ce que l'on a prélevé devra être consommé nécessairement par les Kohanim, il y a une Gdusha dedans, donc. Le Kohen ne pourra même pas inviter un Israël, c'est comme de la Trouma. Il ne peut pas inviter un Israël pour manger de la Trouma. Un Lévi peut inviter un Israël pour manger du Maaser, parce que le Maaser, il est Chol. Il est
profane, c'est juste de l'argent qui appartient au Kohen, au Lévi. À la différence de la Trouma, qu'il y a une Gdoucha, il y a un Issour pour un Israël de manger ça. Et alors là, le Chazé Vachok, ces deux parts que l'on prélève de l'animal pour en faire cadeau au Kohen, il y a aussi une Gdoucha dedans, qui ne pourront pas être consommées par des personnes qui sont zars, étrangers, uniquement par les Kohanim, l'Inchehem, par leurs femmes, Velivnehem, et par leurs enfants, ou les Avdehem, et par leurs esclaves. Je vous avais dit que j'avais un petit doute, il n'y a aucun doute à avoir, juste un Eved Knaani et pas un Eved Ivri. Vous savez qu'il y a deux sortes d'esclaves. Je peux avoir un esclave que j'ai acheté, un esclave Goy, que lorsque je l'achète, alors désormais il doit faire le Brit Mila, le tremper au Mikvé, il ne devient pas un converti, il devient un esclave juif. C'est un esclave initialement Goy, qui est devenu la propriété du juif. De ce fait, on entretient avec lui un rapport, quelque part. Bon, aujourd'hui on ne sait plus tellement ce que c'est d'avoir un esclave. Mais à l'époque où il y avait des esclaves, un esclave c'était un bien, comme je pouvais avoir des animaux, j'avais des esclaves. Donc de ce fait, autant que le Kohen avait le droit de faire, de donner à consommer de la trouma à ses animaux, selon certaines limites, mais en tout cas la trouma elle pouvait être consommée par les animaux, du Kohen, parce que c'est ses biens, donc il a le droit de profiter lui-même, et même ses biens ont le droit de profiter avec de la trouma. Idem encore pour les esclaves qui avaient le droit de manger la trouma, puisque c'est le bien du Kohen, la différence que s'il achète un esclave juif, ça existe d'acheter un esclave juif, on est beaucoup plus limité dans le droit de l'exploiter, et de ce fait, il n'est pas défini comme un bien réel, on a une certaine propriété dessus, mais c'est une propriété beaucoup moins faible, ça ne nous permet pas de consommer, de lui permettre de consommer de la trouma, parce que finalement, ça reste un juif étranger qui n'a pas le droit de manger, uniquement le Eved Knaani, d'accord ? Une petite précision encore, je lis, si j'en ai un peu de temps aujourd'hui, c'est que j'ai vu dans le Magen Mishneh, en cherchant quelque chose, que... non, ça va alourdir, laissez tomber. Je m'arrête là. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.